Yo tout le monde, c'est Thiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia, qui a des problèmes de sécession, des problèmes d'argent, des problèmes de fabrication de bâtiments, et des problèmes d'ennemis qui n'en sont pas mais qui veulent ou qui font tout comme nos ennemis. C'est bon, au moins il n'y a plus d'agents des couches, parce que les couches ils nous ont saoulés. Bon, on va très certainement perdre Velatri. Patavium. Je suis trompé. On va perdre Patavium, mais on va le reprendre très rapidement. Là, on va reprendre Ariminium avec une de nos légios. Et Patavium devrait tomber dans la foulée. Sauf si j'ai pas la portée. Là, il y a cette saloperie de légio des séparatistes là qui me mémorise. Et les Cyrenaïques qui. Bah non, mais me dites pas qu'ils ont les troupes, quoi. Ça reste des troupes des archers. Enfin, il y a des archers contre ça, quoi. Bon, je vais devoir la jouer. Mener la bataille sur le champ. Je vais aller chercher ses troupes. Je vais chercher son Basileus. Vraiment, si je fais tomber son Basileus, il ne devrait pas m'embêter. Putain, il est allé jusqu'à Lepsis, quoi. Surtout que s'il prend la ville, je la reprends le tour d'après. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. À part perdre une flotte. Ah là là, bon, ils sont où les ennemis? Y'en a pas? Ok, lui il est là. On va foncer dessus en premier, hein. J'en ai un à secouer. Là, on va. Planquer nos unités à l'intérieur là pour qu'elles puissent pas se faire canarder. Bon, ceci c'est de la plèbe, hein. La plèbe j'en ai rien à secouer. Canarder la plèbe, c'est pas mon problème. Il est gentil le mec hein, quand même. Canarder la plèbe, c'est pas mon problème. Ah non, à cette époque c'était pas un problème. Est-ce que là ça rentre? Voilà, on devrait être plus ou moins en sécurité. On va commencer, on va foncer. Il faut absolument le faire couler en premier. J'ai pas le choix. Absolument que j'arrive à le couler. On a réussi à esquiver, je crois, les deux premiers. Voilà, vache, les pertes, toi. Hop, on a perdu la moitié. Allez, et fais au moins le. Les archers qu'ils ont quoi. Ça reste des archers, je vois pas comment ils. Ok, on a fait couler le général. Ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Leur général en moins, ils devraient moins me poser de soucis. Ils vont débarquer là, je suppose. Non, peut-être oui. C'est une bonne question. Il va falloir que j'utilise ces troupes légères pour les intercepter. Là qui débarque, hein, franchement. On essaie de choper le point dans tous les cas. Donc là, moi, mon rôle, c'est de mettre une partie là. On n'est même pas vu. C'est impeccable. Ils vont essayer de choper ma plèbe, c'est ça. On va la faire reculer. Il les voit. Je me mets en formation tortue. Là, je les mets en formation interception. Je vais me planquer derrière ces bâtiments au cas où lui vienne m'embêter. Et je vais envoyer les vigiles sur lui. Forcer le corps à corps. Hein. Les javelots, ils vont pas pouvoir faire grand chose normalement au corps à corps. Les mecs? Allez, on se réveille. Oui, commandant. Alors, je passe de l'autre côté, voilà, je traverse leurs troupes. Et là, je les accroche. Il n'a pas fait débarquer tous ces bateaux, c'est dommage. Il tire sur qui? Il tire là-dessus. Normalement, je suis pas mal. Il y a des tirs en cloche là.
S'ils font une bonne formation tortue, ce qu'ils ne le font pas, je suis pas censé prendre de pertes. Mais bon. Ou alors très peu. Oh, regardez là. Oh, regardez. Allez, étalez-vous. Et faites mal sur ces unités-là. Ils prennent cher, non? Bon, après, c'est javelot aussi. Je crois qu'il se prend des tirs du bateau, surtout. Oh la vache. Faut pas qu'il se fasse attaquer, eux. Dans tous les cas, j'ai un bonhomme dans... qui prend le coin, donc c'est pas un problème. Non, ça tire comment? Ça tire bien. Ça reste des archers. Alors on va la faire une surprise. Chercher le corps à corps. Alors on va aller faire passer là. On va essayer de rester à l'abri des feux. Les tirs. Voilà, on va s'en prendre quelques-uns forcément. Sortez de la formation tortue, sinon vous allez vous prendre. Voilà. Là vous bougez plus d'ici. Alors là, ça va piquer le fiac. J'ai. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour intercepter les troupes là-bas. Voilà. Là, ces javelots, ils font rien. Les javelots là, putain, je me suis pris une... j'ai dû me prendre un caillou là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, ça n'a pas de sens. Voilà, on les a interceptés eux également. Alors, on va bien se planquer. Des possibles tirs là, des... encore de ces unités là-bas. Ils sont peut-être à court de munitions. Hein. Ils sont pas l'air. Ouais, ils ont pas l'air du tout même. Par contre, vraiment, les touches où ça, ils arrivent à ne pas tirer dans le toit là. Ils sont badass, hein. Ils sont badass. Hop, tout le monde là sur lui. Ils ont pas l'air décidés à venir. Ouais, si au bout d'un moment ils vont plus avoir de munitions quand même. Putain, ils tirent en cloche comme ça, les salauds. Ils tirent en cloche sur le côté, attendez, on va se déplacer. Voilà, en plus là ils vont tirer, ils vont prendre les tirs là de pilums. Voilà, les archers, on n'en veut plus, ça dégage. Là j'ai su la supériorité sur mes unités légères. Ah, des archers, hein. Franchement, on peut pas faire grand chose. Hop, la plaie, vous restez derrière, vous vous mettez là. Hop, vous retirez le mode feu à volonté. Attendez mon ordre. Est-ce qu'ils paraissent sont confiants, ils vont pas le rester. Là, vous changez de cible. Vous les zigouillez, très bien. Continuez comme ça les mecs. Là, les archers derrière, faites pareil. Voilà, eux ils sont en train de fuir. Parfait, parfait, hop. Reculez, vous cessez le feu. C'est bon, c'est déjà fait.
Vous allez vous planquer là-bas. On est plus ou moins à l'abri de ça. On se prend une bonne salve. Et ils ont fui. Voilà, et là normalement on doit être à l'abri. Et au cas où, voilà. Je vais les faire reculer loin. Le but étant qu'il ne voit aucune de mes unités. Et comme il ne verra aucune de mes unités, il devrait débarquer au bout d'un moment. Donc quitte à reculer là-bas, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, mes unités là au corps à corps, elles ont deux. Très bien. Voilà, il n'y aura aucun. Laisse faire. Voilà. On aura réussi à gagner cette bataille. On aurait quelques pertes, mais ça reste des troupes de garnison, donc c'est vraiment pas un problème. Allez, poursuivez-moi tout ça. Ils vont là. Ah bon, c'est original ça. On continue juste histoire que... qui ne repène pas le bateau d'une manière ou d'une autre, voilà. Impeccable. Bon, on aura coulé presque toute sa flotte. Il lui reste quoi? Une unité de mercenaires? C'est bon, ça s'était coulé dès le début. C'est la vengeance. On va tuer. S'il veut attaquer, qu'il attaque à Sirène. Et pas ici. Ah, j'ai cru en plus, j'étais content. Et bah non. Lepsis, quoi. Bon. Cette histoire de sécession, on s'en est d'où? Toi, tu prends Réunum. Voilà. Pacifiquement, on s'en fiche. On va pas. Ce sont les nôtres. Donc on va pas les abîmer plus que ça. Qu'on a la portée. On a la portée pour Patavium. Voilà. Vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà. On n'en veut plus des Romains. Enfin des Romains. Des. Ratistes. Parce que dit comme ça, ça fait bizarre. Bon. Et toi là, toi en mer, va te choper. Et il a une autre flotte quelque part, je crois, qui traîne. Ça devrait être bon. Bon, au pire, je la jouerai manuellement, comme d'hab. Bon, là, il veut pas couper son. Ah. Il a une troupe de moins, par contre, je sais pas où elle est. Nous avons faim de bataille. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. Donc on va en profiter. Ici il s'est barré. Avec une de ses troupes. On va prendre la ville. J'ai perdu un garde pas trop rien. C'est moche. Un garde pour ça c'est... C'est pas ici que je peux recruter. Non. Ok, il l'a envoyé là. Venir du monde à Syracuse au cas où. On a pris Sirène, lui il devrait remonter, donc soit Macomade, soit Sirène. Garama, j'ai des doutes, même s'il pourrait. Je vais remettre Lady en place à Rome.
Et oui, le taux d'imposition 21, c'est pas mal. Hop, on va faire des marchands, on va développer tous ces petits villages-là qui produisent des ressources, on va dire, de type original. Et qui devraient rapporter un peu plus d'argent. Surtout que certains, ils produisent de la nourriture en plus, donc je vais pas me faire prier. Ok. Oui, non, j'avais déjà utilisé mes agents. Mes agents qui d'ailleurs commencent à arriver petit à petit au compte-gouttes. Ou pas. Enfin si, au déplacement au compte-gouttes, mais qui arrivent tous d'un coup presque. Séparatistes, là il y a une flotte. Est-ce qu'il va attaquer ce tour-là ou alors un autre? Il a pas attaqué ce tour-là. On a un triomphe, on sait toujours pas sur quoi, mais on a un triomphe. C'est bien, ça donne de l'ordre public, mais bon, j'en ai pas spécialement besoin. Les séparatistes qui viennent là-bas, ok, très bien. Lui qui, comme on l'avait plus ou moins vu, va vouloir passer là-bas. Mais écoute, on va aller l'intercepter, on va aller choper hein, dans tous les cas. S'il passe chez les Séleucides, ils n'ont pas de soucis. Ah ouais, il y avait du Cyrenaïque, hein, mine de rien. Après là, ils ont plus rien donc. Est-ce qu'ils vont vouloir aller là? J'en sais rien. Là, ils peuvent pas faire grand-chose. Je vais envoyer des renforts quand même. Je sais pas pourquoi, mais. Hop, ouais, non, déconne pas. Pas passer trop par la mer, on sait jamais. Ça, c'est son. C'est quoi, c'est une flotte, ça? Oui. Au cas où, on va aller à Polonia. Ici, il va se barrer. Oh, on peut l'intercepter. C'est ce qu'on va faire, tiens. Ah, au moins. Voilà. En or, on est bon. Tiens, allez. Que me voulez-vous? Comment ça m'énerve, là? Je les 38%, allez. Voilà, c'est bien ça. Continue comme ça. Va quand tu veux. Ah mais c'est la... ah mais c'est Athènes, c'est pas du tout le Cyrénaïque. Peut-être recruter un général en urgence. Avec quelle thune? Je sais pas avec quelle thune. Avec Neptune, mais pas. Ouais, non. Niveau argent, je sais pas ce qu'il faut. Les couches. Les rods ne m'ont pas rejoint, bon, on va les annihiler, c'est pas très très grave. On va aller chercher, on a ce qu'il faut. Rome Fate, ouais. Lui, il a traversé le désert, je sais pas ce qu'il a foutu. Il est pas très malin quand il s'y met. Hop. C'est que je peux pas défendre de ville, mais il doit pas avoir la portée pour y aller. Donc les rods. J'avais pas déplacé ma. Super ça. Pas déplacé ma troupe. Bon, ils ont fui où? La vache, je suis toujours plus loin les mecs. Hein. Bon, je veux tout le monde sur Rhodes. Peut-être pas tout le monde, mais j'en veux beaucoup sur Rhodes. Je suis encore en train de courir derrière une unité Pergame, je crois. C'est terrible. Oh non, tout le monde.
Donc juste deux, ça suffira. Par contre, c'est fou. Ils sont encore vivants là-bas, Pergamon. C'est dingue. Bon, les Cimériens. J'ai pas l'impression qu'ils sont là pour enfiler des perles. Bon. Non. J'ai encore assez d'argent pour ce tour. Chose à faire, hélas, là on piétine, on piétine. Ouais, tu me diras, j'ai mes agents qui arrivent progressivement, ça ira mieux. Quand j'aurai tous mes agents sur Athènes, ils vont pas durer longtemps. Hein. Ils vont tous crever de faim. Ils sont en plein désert. Ah, ils ont dû retourner là-bas. Là, ça aura fait des pertes de fou à traverser deux fois le désert. Bon, les couches, par contre, c'est pas la même chose. Là, dans le désert, ils ont pas trop de soucis. Hein. Alors, faire attention. Risque de sécession déjà, mais attends, je viens de. Pas déconner, hein. Bon, toi. Avant que tu gagnes trop de niveau. Voilà. Voilà, j'ai mon vétéran. Allez. On va commencer à piller tout ce qu'il y a à piller chez Athènes, chez les Athéniens. Oh la vache, ouais, je lui pille déjà presque tout. Voilà, on va à Athènes. On pille toute sa bouffe, hein, j'en ai rien à secouer. Lui, voilà, il a pris des pertes comme il fallait. Cyrénaïque. Je vais pas y arriver à temps ici. Je sais pas sûr qu'il ait la portée pour m'embêter ici. C'est une bonne question. Au cas où, hop, on va laisser Cyrène tranquille. On pourra pas la reprendre. On va la reprendre, mais avec ça. Et en soi, ils sont déjà pas mal esquintés. Je vais devoir voler encore un peu d'argent. J'en suis désolé. Croyez-moi bien. J'en suis désolé. Putain, oui, c'est rien. Il reste de sécession aussi. 72%. Les Cornelia. Les Cornelia. Ils sont là les Cornéliens. Ouais, faites sécession les Cornéliens. Franchement, j'en ai rien à secouer. Bah, faites-vous plaisir. Hein. Sortez là, sortez de votre truc. Tiens, vous savez quoi, je vais même vous aider. Purgez. Là, ça me coûte de l'argent, donc non, je vais pas vous aider. Mais sortez quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vous purge la tronche après. Hein. On est en printemps. Les revenus devraient augmenter un peu. Hop, voilà, on se rend tranquillement aussi à Rhodes qui ont refusé de nous aider alors qu'on les avait gentiment pris en tant qu'état-client. Donc on va s'en occuper. Traité de paix. Non. Traité de prise de territoire, moi j'appelle ça. Oui, parce qu'on s'est pas tapé dessus. Ils sont juste cons, ils m'ont donné de l'argent. Je vais pas refuser ça par contre. Surtout que ces territoires ne m'intéressent apparemment pas trop. Les scénarios romains, ils bougent encore. Hein. Ça, c'est comme Pergamon, là. Vraiment falloir s'en débarrasser. Ouais. Ouais, c'est cool, on a deux sécessions en même temps quoi. Bon. Pergamon. Attaque.
On occupe. Il se barre. Et il fera rien. Faudrait penser le tour d'après, c'est ça le truc. Ils sont encore là. Je dois voir ma flotte à côté là en vrai. Allez, dis-moi que tu pourras les rattraper. Où qu'ils aillent. Yes. Voilà. Résolution. Agressif. Putain, oh, c'était pas les derniers. Ils sont où encore? Ah, c'est compté comme la même. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant, c'est compté comme la même faction. Ok. Pourquoi pas. Pas ça. Ouais. Bon, écoute, hein. Tu n'es pas un héros. Voilà. Elle, c'est une vraie héros. Voilà, donc là, ils ont pas pu prendre la ville. Là, on va pouvoir retourner à Sirène. Là, on va aller à Macomad. On va oublier de mettre en marche forcée. Là, on pourra aller à Lepsis. Et là, où est-ce que tu vas aller, mon ami? Hein? Où est-ce que tu vas aller, maintenant? Mais... Et je vais envoyer comme du monde à Tapsacus. À Tapsus, pardon. Pas de problème, là, j'ai deux légios. Eux, ils vont mettre au River Road. Oui. Voilà. J'en ai un squat ici, c'est chez moi. On va terminer le tour. Très compliqué, il va falloir que je pille les villes athéniennes. Hein. C'est là, j'ai pas de thunes. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Passe chez les Séleucides, mais non, c'est pas bon ça. Son libre passage. Et si, mais rien. Comme ça. Ah, bon, là, ils ont recruté du mercenaire. En vrai, c'est bien. Je vais pouvoir les relâcher et me faire des thunes sur eux. 3000. Ah, oh, merci de m'aider. Franchement, on n'entendait pas autant. Merci. En fait, c'est les séparatistes romains. Ils font genre, mais c'est juste pour... Oh non! Putain, j'ai vraiment perdu un mec là? Où ça? Wesh, non mais assassiné. À votre service. Pas l'assassiné en plus. Va venger ta pote, toi. Assassine-le lui. Nous mourrons tous un jour. Chier. Ah, il y a... Putain, je perds une espionne, quoi. Je suis bloqué à cause d'eux, là. Ils vont crever un jour. Ils n'ont pas de revenus depuis 10 tours. Mais ils tiennent. Bon, direction Rod. Vous, mais les avez brisés là. J'en ai rien à secouer. Raison ne vient pas de moi. Personne n'en réchappera. Oui, le navire ne peut pas y aller. Personne ne passera. Voilà. J'ai pas eu de perte. J'occupe, il n'y a plus de rôde. Voilà comment on fait chez nous. Et ici, deuxième fournée. On relâche et on se détune.
Surtout, on se fait des thunes. C'est le printemps et j'ai pas encore trop de revenus. C'est pas terrible. Vraiment que j'augmente tous ces revenus là. Terrible. Hop, hop, non. Oui. Ça coûte moins cher de développer ça que les mines. Je vais développer toutes ces petites villes là. Ah, déjà. Ouais, super. Petit détournement de toi. Hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je voudrais bien faire, faire autrement, mais j'ai pas le choix. Pareil, là-bas. Quelle idée, pourquoi? Pourquoi être venu m'embêter, quoi? Sérieusement. Révolution automatique. Ah, les atropes Athènes. Ils sont là. Je vais être obligé de piller ta capitale, quoi. C'est quand même con. Et subjuguer? Ah ouais, bah il s'est fait bouffer en plus. Mais il est... Donc, attends. Les Cyrénaïques. On en parle des Cimériens. Pas. Les Cimériens, ils sont en train de se faire défoncer par tout le monde et ils sont venus me déclarer la guerre. Yes. Non mais c'est une stratégie comme une autre. Hein. J'ai... J'ai pas le... Non, je... J'ai du mal à suivre. Je vous avouerai là, j'ai vraiment du mal à suivre. Je vais augmenter mes revenus là. Pourquoi je suis en positif dans le revenu d'un coup? Il s'est passé quelque chose? Bon. J'ai deux légions là qui me servent à rien. Ouais, si ils me servent à protéger quand même les terres. Tu me diras. Hop. Énerve-moi cette population. Alors qu'on s'en occupe de toute façon une bonne fois pour toutes. Pergamon, Pergamon. Raconte-nous une histoire. Oh, il n'y en a plus, ça y est! Enfin, j'y croyais plus. Bon. La flotte, elle ira à Alexandrie. On va intercepter des flottes là dans le coin parce que bon. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Et on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.